bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est reparti pour un rendez-vous astro vidéo pour parler des influences qui vont nous accompagner aujourd'hui, mercredi 30 avril. Ça y est, c'est le dernier jour du mois et demain c'est le 1er mai, vous vous rendez compte? Alors moi aujourd'hui, vous savez ici dans le sud c'est les vacances et donc je vais partir à la plage. Et donc je vais essayer de tourner ma vidéo du 1er mai à la plage. Hein, comme ça vous aurez l'air marin. Alors il est prévu qu'il y ait du vent, donc on verra. Si j'arrive pas à le faire à la plage, ben, je me rapatrierai ici et je vous tournerai ma vidéo à la maison. Voilà, donc ça c'est pour les petites anecdotes. Et puis pour vous dire aussi que c'est vrai que cette semaine je m'occupe beaucoup de mes petits loulous et que je suis avec eux. Et que donc j'ai bloqué pas mal mon agenda pour profiter d'eux, pour profiter du temps demain et vendredi. Et donc voilà, je réponds un petit peu sur Facebook et tout, mais je suis un petit peu moins présente que d'habitude. Mais c'est précieux ces moments avec les enfants, c'est la vie. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe dans le ciel aujourd'hui mercredi 30 avril? L'aspect qui m'a le plus interpellée, c'est l'opposition entre la Lune en Taureau et Saturne en Scorpion. C'est de lui dont j'ai envie de vous parler, parce que j'ai envie de vous parler de lâcher prise et d'abandon. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un long message d'une lectrice qui me suit depuis longtemps, elle va se reconnaître, et elle me dit « Voilà, j'ai bien compris tous les messages que tu fais passer, Sandrine, à propos du lâcher prise, et j'ai bien compris mes fonctionnements, mes schémas, et tout ce qu'il fallait que je laisse derrière moi pour pouvoir avancer, et notamment, comme beaucoup, certainement, ma dernière relation sentimentale, une rupture. J'ai cru comprendre que c'était douloureux et qu'il fallait laisser tout ça derrière soi pour avancer. Et elle me dit, ok, super, mais je bute sur un truc. Comment je lâche prise? La recette, s'il te plaît, est-ce que tu as un petit truc? Ok, alors j'ai pas une recette. Je peux vous donner ma recette, peut-être. Enfin, je vais essayer de dire tout ce qui me vient. Voilà, mais c'est pas la recette absolue parce qu'elle est personnelle. Et puis, lâcher prise suite à une rupture sentimentale. C'est vrai qu'en ce moment, avancer pour aller vers un renouveau sentimental, vers un mieux, se séparer ou accepter qu'on a été quitté, c'est beaucoup, beaucoup ce qui se passe en ce moment et c'est beaucoup le sujet de mes consultations. Hein. Donc, bien sûr, à chacun sa réaction qui est propre en fonction de son thème astral, de son caractère. Donc, hein, c'est sûr qu'il y en a qui vont se réfugier dans le travail, il y en a qui vont aller parler à leurs amis. Enfin, ça reste très personnel. Mais ce qui me vient, ce qui est important et ce que je voudrais vous dire en rapport avec les énergies du jour, pour vous aider. Hein, puisque les planètes sont nos alliés d'évolution et que lorsqu'on écoute leurs messages et qu'on va dans leur sens, et qu'on joue leur jeu, eh bien on avance. Moi c'est vraiment ce que j'ai constaté. Si je joue le jeu de Saturne, ben j'avance. Si je joue le jeu de Pluton, qui est la transformation en profondeur, eh bien ça se passe bien. Alors que si je résiste, ben ça coince quoi. Et c'est très douloureux et c'est difficile à vivre parce que la planète, elle veut me faire passer un message. Et si j'entends son message, et si je l'écoute et que je dis ok, j'ai compris Saturne, j'ai compris Pluton, j'ai compris Uranus, enfin peu importe le transit planétaire, Jupiter même aussi, j'ai compris, ok, bah tu sais quoi, je vais aller dans ton sens et je vais jouer ton jeu à fond, pleinement, parce que finalement j'ai tout à y gagner. Parce que si une planète arrive sur un point de mon thème, c'est pour me faire passer un message. Et donc c'est là que c'est intéressant de contacter l'astrologie pour comprendre quel est le sens profond du message de cette planète pour avancer et évoluer. Donc aujourd'hui, Saturne, dans son opposition à la Lune, il vient nous demander de revisiter un petit peu tout le stade oral. Hein. La Lune, c'est le 0-3 ans et c'est tous les stress et les peurs d'abandon qu'on a pu avoir à ce moment-là, où on est comme le petit bébé dans son berceau, dans un état d'attente, avide et infantile, et on se dit, mais qui va venir me donner à manger? Ça, je l'ai déjà dit. Hein. Et finalement, tout dépend de l'autre. Donc si c'est un stade qui a été plus ou moins loupé, où on n'a pas été rassuré, réconforté, où il n'y a pas eu de protection rapprochée, bon, a priori, les transits de Saturne, et là, on est nombreux, on vrille! Juste on vrille, on rebascule, on redevient ce petit bébé, ce petit nourrisson qui se dit « mais venez me donner à manger, qui vient me prendre dans ses bras ». Enfin voilà,
Notre vie dépend entièrement de l'autre. Et plus tard, dans nos relations amoureuses, eh bien, l'autre devient notre source de vie. Et ça, c'est juste pas possible. Parce que finalement, on mise tout sur l'autre et on n'existe plus par nous-mêmes. La légende de Saturne, elle met bien ça en exergue. Saturne, il était tellement avide de pouvoir, mais tellement avide de pouvoir, que pour ne pas le perdre, parce qu'il avait l'illusion que ce pouvoir allait lui donner la force suprême, eh bien, il a mangé ses enfants. Il est prêt à bouffer n'importe quoi, le mec, pour pas perdre le pouvoir, ses propres enfants. Ça va loin. Ça vient nous dire quoi? Ben, que des fois, pour avoir l'illusion que l'autre est là et qu'il nous donne, qu'il insuffle cette vie, qu'il nous met en vie, qu'il nous maintient en vie, parce que quand il est là, tout est mieux, tout est plus fantastique, enfin, on est complètement leurré, ben, pour maintenir ça, pour le garder pour nous, on est prêt à avaler n'importe quoi. On accepte des trucs qui ne nous correspondent même pas. Alors déjà, rien que ça doit nous aider à lâcher prise. Parce qu'une fois que la relation est terminée et qu'on a la possibilité de prendre du recul sur celle-ci, on peut mesurer tout ce qu'on a accepté qui n'était pas nous. Et ça, à un moment, ça doit atteindre nos nerfs et se dire « Mais stop, mais plus jamais ça !» J'ai suffisamment d'amour propre aujourd'hui. Et finalement, c'est là qu'on se rend compte que la séparation, elle était importante, parce que c'est dans la solitude et dans l'isolement que Saturne, une fois qu'il a été détrôné par son fils Jupiter et qu'il est exilé dans l'Latium, c'est là qu'il a pu développer la sagesse. Et il a appris la patience, et c'est là qu'il a pu instaurer l'âge d'or. Et c'est vraiment la leçon de Saturne, c'est l'avidité et le renoncement. Finalement, quand on se retrouve seul face à soi-même, on se retrouve soi. C'est douloureux, certes, mais c'est face à soi-même qu'on peut prendre du recul et mesurer tout ce qu'on a accepté qu'on n'aurait pas dû accepter. Sans se le reprocher, hein, sans se dire « mais quelle conne j'ai été, mais quel idiot, mais je suis retombée dans le même piège, encore une fois, oh, c'est bon hein. ». Si tu l'as fait, c'est que tu avais besoin de le faire, et puis basta. Mais par contre, retiens et essaye de ne plus reproduire. Cette fois-ci, fais un bilan honnête pour ne plus recommencer. Alors après, moi je trouve que une rupture sentimentale, comment lâcher? Déjà, il faut accepter que c'est douloureux, que c'est triste et que ça fait mal. C'est la première des choses. Ne surtout pas refouler la tristesse. Accepter que c'est douloureux. Mais ça veut dire quoi, accepter que c'est une expérience douloureuse? Il ne faut pas confondre une expérience douloureuse et une expérience traumatique. Hein, une expérience traumatique, c'est, je ne sais pas moi, la perte d'un être cher, la perte d'un enfant, la mort, un deuil, ou un accident. Ça, c'est un trauma, quelque chose qui... Waouh! Et là, ça va... C'est autre chose, ça a un autre impact, ça s'enregistre autrement dans le cerveau. Alors qu'une expérience douloureuse, c'est une expérience certes douloureuse, mais qu'on peut dépasser. Et il faut bien sûr accepter que ça prend un peu de temps. Hein, voilà. Mais si on l'accepte en tant que tel, ça vient plus vite. Et puis on est seul face à soi-même, on fait ce bilan, et puis à un moment ça nous attaque, ça nous prend les nerfs. C'est là, c'est plus fort que tout, et on se dit « mais stop !» Mais moi, je ne veux plus continuer comme ça. Je veux dépasser ce mode de fonctionnement que je répète inlassablement. Je veux dépasser ma problématique. Et là, généralement, on fait ce qu'il faut pour évoluer. Le lâcher-prise se trouve dans la solitude. La solitude, elle nous apporte quoi? Elle ne doit pas durer des heures, hein, la solitude. Elle ne doit pas durer trop longtemps. Hein. Moi, je suis contre cette idée que la solitude, ça doit durer très très longtemps. Hein. Ça peut durer 3 jours. C'est personnel. Mais la solitude, ça nous permet de nous retrouver face à nous-mêmes. Quand on est seul, on peut écouter la musique qu'on aime, on peut se plonger dans des livres, et les livres nous parlent, les livres parlent à nos âmes. Et ces livres, finalement, ils nous apportent des réponses. Et dans ces réponses que les livres nous apportent, on se ressource, on se retrouve, et on se reconnecte à qui on est. Et finalement, on est à nouveau plus juste et plus vrai avec soi-même, et la vie reprend ses droits à un moment. Parce qu'on se dit « mais stop, je ne veux plus fonctionner comme ça ». Après, pour moi, lâcher prise, c'est oser la vie, faire les expériences, recommencer à vivre. Parce que si on est uniquement dans « oh, je lâche prise, ouais, j'ai tout compris, je lis dans mes bouquins et tout », et qu'on ne fait plus d'expériences et qu'on n'est plus dans la vie, on ne lâche rien. Finalement, on reste accroché au passé et on n'avance pas. Lâcher prise, c'est tourner la page.
Et c'est ne pas entretenir des sentiments amoureux pour la personne avec qui on n'est plus. Parce que pour être amoureux, il faut être deux. Sinon, on est amoureux d'un concept. On est amoureux d'une personne qui n'est plus amoureux de nous, vraisemblablement, ou amoureuse de nous. Donc, on est amoureux dans l'air, dans le virtuel. Et ça, bah, à un moment, ça doit nous attaquer au nerf, se dire non, stop, mais moi, je veux être amoureuse pour de vrai, ou amoureux pour de vrai. Moi, ce que je veux, c'est partager l'amour au sein d'un couple, pour de vrai. Et puis là, il faut faire sa commande à l'univers et dire, allez, c'est bon, mais voilà ce que je veux. Et on fait sa liste. Et je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais pour moi. Voilà, pourquoi on peut faire cette belle liste? Parce qu'on s'est retrouvé, parce qu'on est redevenu vrai avec soi-même, parce qu'on a trouvé les réponses dans les livres qui nous apportent des choses qui sont de nous. Voilà. Et à ce moment-là, l'univers, il ouvre. Hein. Ça vient. Hein. Parce que on peut décider d'arrêter d'être amoureux. Hein. Parce que normalement, on n'est pas amoureux dans le vide. Ça n'existe pas. Si on prend conscience qu'on est amoureux dans le vide, ça doit suffisamment nous énerver pour dire stop, hop, je ressors, je vais à la rencontre des autres et je passe à autre chose. Alors après, on rencontre une nouvelle personne, quelqu'un qui nous drague en soirée, et puis on se dit, oh, ça me fait moins vibrer que l'autre. Ben ouais, bien sûr, parce que quand on rêve à l'autre, on vibre encore plus fort, alors dans le réel, tout d'un coup, la réalité, c'est moins fort que les rêves. Hein. Les rêves, on sécrète vachement d'endorphines, de trucs qui font que waouh, c'est wouhou! Ouais, mais les endorphines, ça endort, hein. Donc stop, non! Parce qu'on reste dans son petit rêve, dans son petit cocon, on va plus souffrir, c'est certain, mais on va que rêver sa vie amoureuse, on va pas la vivre, aucun intérêt. Donc la prochaine personne qui arrive, c'est moins fort, c'est moins ceci, c'est moins cela. Ok, mais c'est à vivre, parce que au moins il se passe quelque chose. Et puis c'est dans l'expérience qu'on apprend le couple. Donc c'est une bonne façon de lâcher prise, en tournant la page, en faisant de nouvelles expériences. Et puis l'intensité, c'est pas l'autre qui nous la donne, c'est nous qui la mettons dans nos expériences. C'est aussi ça le message de Saturne. Hein, toute la dialectique saturnienne, c'est avidité, renoncement, arrêter de demander à l'autre de remplir ce vide en nous. Qui ne peut pas être rempli par l'autre. L'autre ne peut pas être notre source de vie. Ce n'est juste pas possible. L'autre ne peut pas être nous maintenir en vie et donc nous apporter une intensité. C'est à nous de nous maintenir en vie. C'est à nous d'apporter de l'intensité dans notre existence. C'est à nous de mettre de l'intensité dans ce que nous vivons et de la joie. Et c'est vrai qu'il y a des relations qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins intenses, mais celles qui sont les plus intenses, celles que l'on vit de façon... énormes qui nous font vibrer en général, c'est parce que on a l'illusion que l'autre nous apporte la vie et qui nous maintient en vie. On fait de l'autre notre source de vie et ça, c'est un grand piège parce que personne ne peut être votre source de vie. Vous êtes votre propre source de vie et c'est vous qui mettez de l'intensité dans ce que vous vivez. Et à ce moment-là, vous partagez l'amour. Parce que si c'est hyper fort, hyper intense, parce que l'autre vous apporte et vous nourrit. Comme le petit bébé qui attend que sa maman vienne lui donner à manger ou son papa et le rassure et le protège, mais ça veut dire que vous êtes resté cet enfant-là. Et finalement, vous vivez l'intensité que quand l'autre vous l'amène. Et puis quand vous êtes seul face à vous-même, il n'y a plus rien qui n'existe. Qui existe, mais c'est un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ok, super, mais on fait quoi là? On vit plus. Et alors à chaque fois que c'est terminé, on est mort. Voilà ce qu'il faut lâcher. C'est lâcher ça en fait. Et à partir... du moment où on lâche ça et où on se donne à soi sa propre intensité, où on met de l'intensité dans ce qu'on vit et où on goûte tout ce que l'on reçoit. Et même si la nouvelle relation, elle est moins forte, mais elle est géniale quand même. Parce que moi, j'y mets de la vie et de l'intensité. Et j'apporte, moi j'apporte dans cette nouvelle relation ce que je suis, forte de ce que j'ai compris et de ce que j'ai appris quand je me suis retrouvée face à moi-même. Et j'ai un pétillant et j'ai une patate à donner. Et puis cette relation, je la construis. Et c'est là qu'on se rend compte que ben, on vit l'amour, on partage. Vraiment. Et puis quand l'autre ne donne pas de nouvelles, ben, ça ne nous empêche pas de continuer, à avancer. Voilà, on ne peut pas être dans la dépendance. L'autre ne peut pas être une perfusion qui nous maintient en vie. Certainement pas. C'est là qu'on est libre. Libre d'aimer et qu'on apporte
Son petit panier garni dans la relation, et l'autre amène son panier garni, et qu'on partage ce que l'on est avec l'autre qui est ce qu'il est. Et c'est les deux, ce que je suis, qui se rencontrent et qui font quelque chose qui va bien ensemble. Mais c'est pas ce que tu es va nourrir ce que j'ai besoin que tu sois. Non, c'est bon. Voilà, c'est une fausse intensité, ça marche pas. Voilà, une dernière chose que je pourrais vous dire pour lâcher prise. Recette, toujours croire en la vie, en tout c'est possible, même lorsque tout montre le contraire, parce que ça n'est juste pas possible. À partir du moment où vous avez pris le chemin pour avancer et pour évoluer, toutes les expériences qui vous arrivent sont faites pour vous montrer tout ce qui ne fonctionne pas et que vous devez améliorer. Et ce ne sont que des cadeaux. Et même si ça vous... Et zut, et j'ai pas encore compris et tout, et que ça vous fait souffrir, mais c'est un cadeau pour que vous arrêtiez de fonctionner comme ça et que vous avanciez autrement. Et c'est là qu'il faut aller vers votre futur sans chercher à le connaître, en ayant la certitude que le meilleur pour votre vie reste à venir. Avancez vers votre futur dans la confiance, en ayant la certitude que le meilleur est à venir. C'est une évidence, comment pourrait-il en être autrement à partir du moment où vous avez emprunté ce chemin d'évolution. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Je vous fais des gros bisous. Je suis ravie de partager ces merveilleux moments avec vous. C'est fort d'intensité. C'est bon pour moi, vos retours, vos messages. C'est précieux. C'est précieux pour moi aussi. Et je vous embrasse de tout cœur et je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous pour le 1er mai, joli mois de mai qui arrive, yes, youpi. Voilà, j'espère que je vais pouvoir tourner ma vidéo en direct de la plage. Gros bisous, ciao.